Et bonjour à tous. Merci d'avoir réussi à maintenir quand même cette journée du Labex SEBA. C'est vraiment important pour nous de garder, de redévelopper les réseaux là après cette période si particulière. On en a vraiment besoin. Rapidement, donc un point sur les enjeux de connaissance et nos actualités au parc amazonien. En vous rappelant qu'on a une stratégie scientifique qui a été révisée en 2018 avec trois grands axes stratégiques, donc l'acquisition de connaissances, la question de la structuration et de la capitalisation des données, et puis la diffusion de la connaissance et le partage de l'expertise. Avec une particularité, hein, c'est l'importance des sujets liés aux sciences humaines et au patrimoine culturel, matériel et immatériel, dans cette stratégie de connaissance, étant donné les enjeux du territoire, les différentes communautés présentes et puis les interactions très fortes entre communautés et environnement, biodiversité, forcément. Ces questions sont au cœur de nos stratégies. Il y a des enjeux de connaissance de la dynamique aussi des pratiques, hein, l'évolution des pratiques et de leur impact pour aller vers une gestion durable des ressources naturelles. Et puis le suivi d'espèces emblématiques, d'espèces menacées et la mesure des changements globaux. Voilà, je passe rapidement, hein, sur cette stratégie établie pour 10 ans qui est bien sûr accessible sur notre site internet si vous ne l'avez pas déjà eu. Alors, je vais faire un zoom sur quelques projets particuliers. Le programme Terra Macandy, donc c'est un projet qui vise à aller vers une gestion durable des ressources naturelles. On a évoqué tout à l'heure les travaux coordonnés par Cécile Richard-Hansen. Le parc amazonien y a contribué à travers un programme chasse, à travers un programme pêche. Et donc, c'était important de faire cette bascule entre cette connaissance des pratiques et cette connaissance, alors évidemment toujours imparfaite, hein, du niveau de conservation des différentes espèces chassables. Là, le programme Terra Macandy, donc, c'est essayer de basculer et de s'appuyer sur ces connaissances en refaisant un diagnostic partagé avec les communautés, pour voir finalement quels sont les problèmes concrets qui se posent de gestion des ressources naturelles. Ça peut concerner la chasse, mais également la pêche, la cueillette, l'utilisation du territoire. Donc, on a recruté 7 médiateurs. On est vraiment dans une démarche participative avec les communautés locales. On est à ce stade où on a à peu près posé ce diagnostic et identifié les sujets sur lesquels les communautés veulent qu'on travaille ensemble. Et donc, on va ensuite dérouler avec des approches très différenciées selon les territoires, hein, puisqu'on a des choses très différentes, des enjeux très différents qui ont pu nous être remontés par telle ou telle communauté sur tel ou tel territoire. Donc, ça va faire ressortir des sujets comme des sujets liés aussi à la réglementation. On a la question de la chasse du quata, notamment pour les levées de deuil à Loucou, qui ressort comme un sujet de préoccupation. Donc, on se propose d'accompagner la communauté dans la formalisation d'une demande de dérogation. Ça nécessite bien entendu d'actualiser et de renforcer les connaissances sur l'écologie et le niveau de conservation de cette espèce. Alors, la crise sanitaire a bien entendu un très fort impact sur ce projet, puisque c'est un projet qui nécessite d'aller au contact des habitants. Donc, tout le travail de terrain a été interrompu pendant 6 mois. Et on commence à peine à redémarrer nos activités. Au passage, cet isolement des communautés a renforcé encore leur,
leur perception de cet enjeu de gestion durable des ressources, puisque à un moment donné, sans approvisionnement, sans Air Guyane, avec une fermeture de la frontière aussi par rapport aux villages qui se trouvaient en face, eh bien, les communautés ont à nouveau complètement perçu l'intérêt de cette autosuffisance et de cette gestion durable des ressources naturelles. Voilà, donc un projet voilà, qui porte beaucoup d'ambition pour le parc amazonien, pour cette bascule dans la gestion concrète et l'élaboration de mesures de gestion des ressources naturelles. La diapo suivante donc illustre la poursuite de nos efforts d'inventaire dans les secteurs peu connus du sud de la Guyane. La carte située en haut à droite montre donc du plus clair au plus foncé, donc le violet, le rouge et le violet foncé, vraiment les secteurs pour lesquels on manque de données naturalistes. Donc, on a eu plusieurs interventions ces dernières années. On est allé en 2018 sur l'Inselberg de la Mamilipan en partenariat avec la DAC, hein, puisqu'il s'agit aussi d'un patrimoine archéologique très important avec le seul site de peinture rupestre connu en Guyane. Donc, on avait des enjeux à la fois naturalistes, mais également de connaissances archéologiques. L'an dernier, des inventaires sur le Haut-Courcibo en partenariat avec l'ONF et la réserve de la Trinité, voilà, qui nous ont permis d'engranger des données et des connaissances sur ce secteur. Et donc, l'actualité aujourd'hui, c'est d'aller à Grosso. Grosso, donc, ça se trouve, c'est le point qui est matérialisé sur la carte sur Papaïchton, là, à la limite entre le rouge et le violet foncé. Vraiment aucune donnée dans ce secteur-là du Grand Abounami à Papaïchton. Et donc, on va aller, avec un certain nombre de partenaires, faire une mission, enfin des missions pluridisciplinaires, à la fois cette année, là, en novembre, en saison sèche, et puis également au premier trimestre 2021. En saison humide, avec une préoccupation qui est l'extension de l'orpaillage illégal. Donc le Grand Abounami, le secteur de l'Abounami est extrêmement impacté, et on voit apparaître de nouveaux sites illégaux. Donc finalement, cet inventaire qui devait nous permettre d'avoir une photographie d'un secteur préservé, ça sera finalement peut-être l'inventaire zéro. D'un secteur qui peut-être malheureusement pourrait être amené à se dégrader. Dans tous les cas, c'est important d'y aller dès maintenant. Je ne sais pas si Hélène peut prendre le relais. Hélène, qui avait des petits problèmes de connexion. Est-ce que je te laisse présenter les deux dernières diapos? Je suis là, je ne sais pas si tout le monde m'entend, j'en ai fait des petits soucis de connexion depuis un quart d'heure. On t'entend très bien, oui, sans Ok, très bien. problème. Juste un petit mot justement en lien avec ces journées d'échange du Labex Seba sur les deux projets qui ont d'ailleurs déjà été évoqués par Jérôme Chave tout à l'heure sur l'appel à projet qui a été diffusé en début d'année. Donc on est partenaire de deux projets, le projet Anomalo avec l'ESR LAISA. Dans un objectif, en effet, d'acquérir plus de connaissances, mais surtout de travailler à définir des bases pour un plan national d'action sur trois espèces d'amphibiens qui sont aujourd'hui endémiques du territoire pour deux d'entre elles, pour trois d'entre elles, et en danger critique d'extinction pour deux d'entre elles. Donc on a une vraie responsabilité au niveau du parc pour travailler à la conservation de ces espèces. Donc ce projet, en partenariat avec l'ESR LAISA, va essayer justement de caractériser un petit peu mieux la répartition de ces trois espèces et puis aussi travailler sur l'état sanitaire des habitats pour essayer justement d'en comprendre davantage le phénomène de disparition. Ce sont des espèces qui sont en train de disparaître du territoire. Donc sur ce projet-là, le parc apporte un soutien à la fois logistique dans le cadre de l'organisation des missions, mais aussi un soutien financier. Donc il y a trois grosses missions qui vont être organisées sur le territoire du parc. Sur des massifs isolés, le massif d'Attachie-Baka, de Galbao et d'Itoupé. Et puis on aura aussi
une partie d'action d'éducation à l'environnement qui vont se dérouler sur Maripasoula. Et puis le deuxième projet pour lequel on est partenaire et qui a été déposé aussi dans le cadre de cet appel à projet, c'est le projet IQCN avec l'Université Paul Sabatier de Toulouse, qui lui s'inscrit du coup dans la continuité d'actions qui sont réalisées depuis un certain nombre d'années par Sébastien Brosse sur le fait de développer justement à la fois la couverture en termes d'ADN environnemental du bassin de l'Oyapock, mais aussi essayer de travailler à l'élaboration d'un outil d'estimation des abondances sur des espèces qui sont menacées et pour lesquelles il y a aussi un intérêt de consommation sur le territoire du parc. C'est le cas par exemple du pacou, du kumaru et de l'aymara. Et puis de deux espèces qui sont elles aussi endémiques, alors trois exactement, qui sont endémiques et en danger critique d'extinction, sont des espèces d'arciela. Et donc grâce à ce projet, on devrait pouvoir justement mieux évaluer la présence de ces espèces sur le territoire. Et ce sont des informations qui seront très importantes parce qu'elles pourront également contribuer dans le cadre du plan national d'action qui pourrait être développé sur les espèces d'amphibiens dont j'ai parlé juste avant. Ce sont des espèces de poissons qui fréquentent les têtes de crique sur lesquelles on retrouve également ces espèces d'amphibiens. Donc on pourrait avoir une réelle synergie dans le cadre des actions qui seraient développées pour ces espèces-là. Donc le parc sur ce projet apporte essentiellement un soutien logistique pour la réalisation des missions sur le Yapok. Et donc on a la chance d'avoir ces deux projets qui ont été retenus à l'appel à projet de cette année. Arnaud, si tu peux passer à la dernière diapo, c'était le petit point de conclusion et j'en ai parlé tout à l'heure très rapidement en réponse à la question de Martine Offsart sur l'APA. Donc, comme vous le savez, le parc assure une mission transitoire de consultation des communautés d'habitants pour tous les projets qui sont soumis à autorisation, pour lesquels il y a un accès demandé aux ressources génétiques associées à des connaissances traditionnelles. Donc, c'est une mission qui a été confiée par le ministère jusqu'à fin 2020 et pour lequel le parc a fait un recrutement spécifique d'une chargée de mission pour assurer ce rôle-là. On a eu donc nos deux premiers dossiers qui ont été déposés en 2020, deux dossiers d'autorisation. Donc, vous les connaissez certainement et en particulier le premier puisque c'est un projet porté par le CNRS depuis de nombreuses années et qui a été lourdement impacté dans sa réalisation par rapport à la réglementation APA. Donc le projet d'ethnoécologie TECO du CNRS et puis un projet déposé un petit peu plus récemment par le MNHN sur les insectes utilisés dans le cadre des rituels EPUTOP. Donc ces deux dossiers sont actuellement en cours d'instruction. Les impacts particulièrement importants de la crise sanitaire pour ces dossiers, c'est qu'on a été complètement paralysé au niveau du parc pour pouvoir démarrer justement ce processus de consultation. C'était évidemment des missions qui nécessitaient de se déplacer sur le territoire, de rencontrer les autorités coutumières, de pouvoir commencer à réexpliquer déjà un petit peu la démarche de l'APA, accompagner des porteurs de projets pour aussi expliquer les projets et définir, identifier avec les autorités coutumières le processus de consultation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a malheureusement pas pu démarrer à cause de la crise sanitaire cette année. Alors, on avait une mission de programmer la semaine prochaine à Camopi avec le CNRS pour commencer à travailler et qui malheureusement a dû être annulé puisqu'il y a eu un petit retour de l'épidémie de Covid sur Camopi et qui a nécessité du coup la fermeture pour ce qui nous concerne des locaux. Donc on espère pouvoir reprogrammer très rapidement cette mission et pouvoir avancer désormais très vite sur le processus de consultation pour ces deux dossiers. Voilà, j'en ai terminé. Si Arnaud, tu veux redire un petit mot en complément. Non, c'est bon, effectivement, on espère bien sûr que la vie va redémarrer au plus vite.